Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Zap Mwikasa. Il me tarde de vous rencontrer. Bienvenue à tous, mais à tous les nouveaux. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Ravi de vous avoir parmi nous. C'est un réel plaisir. Nous sommes là pour nous grandir, pour nous épanouir, pour nous aider à construire ce que nous avons comme capacité. Un réel plaisir. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet très intéressant. J'espère qu'à la fin, chacun pourra y trouver une part. Vous savez, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, mais je sais que ce message pourrait vous apporter un plus quelque part. C'est un message qu'on a déjà diffusé dans le passé. Certains parmi vous l'ont déjà suivi peut-être. C'est un vieux message, je pense qu'il est important, puisque nous avons une nouvelle communauté, très fréquemment, de répéter certains messages afin de nous mettre à jour. N'est-ce pas une bonne idée? Et ben voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, comme je disais. Je me souviens, il y a très longtemps, une dame que je connais traversait soudain un moment très difficile de sa vie. Elle avait perdu brusquement ses parents dans un accident de voiture, je crois, ou pas, je ne sais plus. Sa vie avait complètement changé, hein, complètement basculé. Vous savez comment c'est quand vous avez vécu dans une famille stable. Vous avez tout eu dans votre vie, jamais eu de problème, jamais de difficultés, hein, jamais de soucis. Et soudain, vous êtes à l'université, vous perdez vos parents. Donc, vous n'avez plus moyen de subvenir à vos besoins élémentaires de femme, de jeune femme. Vous n'avez plus les ressources, vous n'avez pas d'argent pour payer vos frais scolaires, vos frais d'études, les syllabus. Il lui restait très peu d'argent, juste assez pour acheter 2 ou 3 syllabus. C'était un moment très difficile. Hein. Je sais que parmi vous, les personnes qui ont déjà perdu quelqu'un de cher, en tout cas un parent ou les parents, comprennent un peu de quoi il s'agit. Très dur, très difficile, dans ce monde bizarre où on cherche toujours à abuser des personnes qui sont dans de telles positions. Cette fille aurait pu faire beaucoup de choses. Elle était très jolie, très charmante, très élégante, vous savez. Certaines personnes sont bénies de cette façon. Elle aurait pu faire ce que vous savez pour se faire de l'argent, pour essayer de se faciliter la vie. Mais elle entreprit, par contre, de vendre des petits pains avec de la charcuterie dans les couloirs de son université, qu'elle avait complètement transformé en réfectoire. Au lieu de partir faire la jolie femme, la courtisane, la fille de joie pour se faire de l'argent, elle entreprit de vendre des pains, des petits pains avec de la charcuterie pour payer ses études. Elle aurait pu se dire que ce serait honteux pour une jolie fille comme elle aller vendre des pains. Attends, vous savez ce que c'est? Elle aurait pu se dire, non, avec mon niveau, avec tout ce que j'ai comme réputation, pourquoi devrais-je me rabaisser à ce point-là? Mais l'entreprise, elle aurait pu dire, bon, pourquoi ne pas trouver un vieux boss? Puisqu'il y en avait, évidemment, une personne qui prendrait soin de mes charges et assurerait mes arrières sans difficulté. Mais l'entreprise de vente de pain avec la charcuterie. La dernière fois que je l'ai vue, elle était propriétaire de firme d'un bureau légal qui soutenait des grandes entreprises dans son pays de naissance. Très inspirant. Il ne s'agit donc pas de ce qui nous arrive dans la vie. Le problème, ce n'est pas comment nous sommes fouettés par la vie. La réalité devient ce que nous en faisons. Je vous parlerai d'une autre personne, très inspirante, au nom de Derek Hamilton. Je pense que ces messages pourraient déclencher quelque chose d'important en vous. Pourraient peut-être servir de tremplin ou d'ascenseur pour une ou deux personnes, ça suffirait. Derek Hamilton était un jeune Américain, un Afro-Américain, qui, après avoir été condamné en 92 d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, a fait 27 ans de prison. Et en tout cas des preuves tirées de toutes pièces, formées de toutes pièces, taillées de toutes pièces pour l'inculper. 27 ans de prison. Au lieu de faire comme tout le monde, Derek Hamilton commença à lire des livres sur la loi américaine. Vous savez, aux États-Unis, quand vous êtes arrêté, l'État vous donne un avocat gratuit pendant un temps pour vous aider à battre l'accusation. Mais évidemment, quand c'est gratuit, ce n'est pas, il n'y a pas d'effort. C'était un noir accusé de tuer un... Vous voyez un peu de quoi je parle. Et aux États-Unis, comme vous le savez, la loi n'est pas égale à la justice. Hein, la loi, c'est autre chose. Le droit, c'est autre chose. La justice, c'est autre chose. Donc, les avocats sont prêts à vous envoyer en prison pour garder leur réputation. Hein, ils sont prêts à vous laisser croupir dans le noir, dans l'obscurité totale de la vie, du moment qu'ils préservent leur réputation et gagnent de l'argent. C'est une histoire d'argent. Derek Hamilton a pris du temps. Au lieu de devenir un voyou en prison ou de perdre la tête, il commença à lire des documents sur le droit américain. Il commença à lire, à se ressourcer, à comprendre comment est-ce que son cas a été traité. Il a acquis la connaissance nécessaire
Et 27 ans plus tard, ils sont rentrés au tribunal pour revoir son cas. Et il a battu l'opposition. Et c'est grâce à lui que l'État est rentré revoir tous les cas qui étaient gérés par le procureur précédent, le procureur qui l'a envoyé en prison. Et on y a trouvé 50 cas qui n'étaient pas corrects. 50 cas ayant des incohérences et des inconsistances. Et beaucoup de personnes ont été libérées de prison. Aujourd'hui, c'est un représentant, un activiste qui se bat pour le droit des prisonniers, qui sont très souvent d'ailleurs envoyés en prison pour des fausses raisons. Envoyé en prison, accusé pour quelque chose qui n'a pas été commis par lui. Au lieu de perdre la tête, il a le courage, ou de pleurer sa vie, il a eu le courage d'étudier, de lire, de se battre pour se sortir de prison 27 ans plus tard. Il s'est représenté lui-même, cette fois-là. Il n'a pas eu besoin d'avocat, parce qu'il connaissait la loi. Ce que vous cherchez dans la vie dépend de l'ampleur de son importance dans votre cœur. Beaucoup de personnes pensent vouloir des choses, mais en réalité ne le veulent pas véritablement. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, même avec sa vie. Il ne suffit pas de pleurnicher, de dire « qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi la vie me place dans ces conditions affreuses ? Pourquoi la vie me trahit ainsi ? Pourtant, je suis quelqu'un de bien. Je ne fais rien de mal. Je n'ai jamais été infidèle aux humains ou... Je n'ai jamais cherché à être injuste ou incorrect. La vie n'est pas toujours belle. La vie est ce que vous en faites. Les coups de la vie viendront toujours. Ils sont inévitables. On ne peut pas les esquiver. Quelquefois on peut, mais souvent on ne peut pas. Mais quand vous êtes frappé par les coups durs de la vie, comment réagissez-vous? Comment réagissez-vous quand le coup dur de la vie vous frappe? Restez-vous dans un coin, pleurnichant votre propre vie, croupissant dans la peine, la misère, la douleur, la trière, la galère? Ou êtes-vous prêt à lutter, à vous battre, à vous relever, à faire ce qu'il faut faire, à lutter? Ce que vous cherchez à faire dépend de vous. C'est-à-dire, si vous faites chaque jour quelque chose, même si vous n'y arrivez pas, vous êtes en train de gagner. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, dans la vie, il est très important de vous associer aux gens qui connaissent certaines choses mieux que vous. Je sais que souvent, les gens essayent d'éviter toute personne qui ait un peu plus de connaissances que soi. C'est très souvent dans nos communautés. Quand vous remarquez quelqu'un en train de faire des trucs plus avancés, vous l'évitez totalement. Parce que souvent, c'est un complexe d'infériorité. On ne veut pas se dévoiler, on ne veut pas montrer ses incompétences, ses insuffisances. On s'écarte. Pourtant, ce n'est pas bien. Il faudrait aussi chercher à s'associer aux personnes qui sont plus expérimentées dans quelconque domaine. Peu importe la situation, même si ce domaine n'est pas tout à fait en accord avec le vôtre. Parce qu'à travers son domaine, vous pouvez en tirer des éléments qui peuvent vous aider à avancer dans la vie. Je vais vous donner un exemple très important. Quand vous faites la course avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont aussi forts que vous, aussi courageux que vous, aussi résistants que vous, qu'est-ce qui se passe? Il y a de fortes chances que vous soyez premier dans une course d'un kilomètre par exemple. Vous faites un kilomètre avec vos potes, vos amis, des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous, qui réfléchissent comme vous, qui ont été aux mêmes écoles que vous. Il y a de fortes chances que vous gagnez la course. Ou que vous soyez deuxième. Ou premier. Maintenant, si vous faites la même course avec des gens plus forts, plus athlétiques, plus expérimentés que vous, qu'est-ce qui se passera? Vous perdrez la course, n'est-ce pas? Vous perdrez la course. Mais vous améliorerez votre temps. Vous perdrez la course, mais vous améliorerez votre temps. Le temps que vous avez fait pour parcourir ce même trajet précédemment avec vos potes ne sera pas le même temps que vous ferez avec les gens plus forts que vous. Vous ferez beaucoup mieux avec les gens plus forts que vous n'avez fait avec des gens qui vous ressemblent. Ça sera la même course, la même distance, mais le temps sera amélioré. Cherchez des gens qui connaissent mieux que vous. Pas des gens qui parlent nécessairement votre langage. Des gens qui vous comprennent, des gens qui vous respectent, mais qui connaissent mieux que vous. Même si vous regardez dans des directions totalement différentes. Du moment que vous pouvez vous servir de leurs compétences pour avancer dans la vie, c'est tout ce qu'il faut. Je vous donne un exemple pour conclure. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais avaient fait des atrocités sur leur propre... sur les Chinois, d'accord ? Il y a un monsieur au nom de Yoshiro, un médecin, qui a fait des choses incroyables. L'unité 113, je crois, ou 117.
Ils ont fait des expériences chimiques et biologiques sur des humains. Hein. Ils ont dépiécé des humains pour voir combien de temps il faut pour